Après une première mi-temps un peu compliquée, on finit par changer la donne avec ce changement tactique en deuxième. Nénette est passé attaquant et ça a changé la donne. Oh la vache! Il t'a tenté un bordel avec une détente propre, bien joué ma poule. Fluide, allez! Du Bergibus Un petit Ben peut-être pour cette victoire, petit Ben, un mot avant de tirer un mot. Bah je la loupe. Bah Jam qui arrive en finale aussi. Oh non. Et après le but moi de ma fin. C'est quoi la question? Encore Yo, allez. Bien joué Damien. Vas-y Mathis. Bien joué. Yo les gars, bienvenue du coup dans SMVD 21. Merci pour tous les retours sur l'épisode précédent. Je suis content que ça vous plaise. On fait beaucoup d'efforts au niveau montage. On essaye d'incruster pas mal de petites choses. Donc très content des retours. Ce soir, on est à l'entraînement à randonnée. Donc pas mal de mecs. On est 23 ce soir, donc c'est pas mal. Pour le temps qu'il fait... Voilà, on sky. Ce soir, les gars, donc comme j'ai dit, entraînement, on finit sur un petit crossbar. Le gagnant remporte une petite box, un bon maillot. Comme d'hab, les gars, vous commencez à le savoir. Le code de NO10 qui vous offre 10% sur toute la boutique. Le lien est en description. Autrement, ce week-end, on joue Manille-Désert. Donc Manille-Désert, équipe classée milieu de tableau, il me semble. Le classement est juste là, vous allez pouvoir vérifier avec moi. On avait un peu galéré au match aller puisque c'est une équipe très physique et très rugueuse. Là, c'est à domicile, on n'a pas encore perdu de la saison. Donc à nous de faire le job encore une fois pour rester premier, comme je vous dis à chaque fois. Mais en même temps, bah, c'est la vérité, quoi. Les gars, dites-moi ce que vous pensez de ce flow du district. Voilà, j'en ai juste marre en fait de laver mes chaussures à chaque entraînement et à chaque match. Du coup, maintenant, je mets les bottes. Comme ça, bah, je suis pas emmerdé. Bon, ça part sur l'échauffement, on va aller voir ce que les gars font. Suis-moi. D'ailleurs, c'est soutien aux agriculteurs. Force à vous, les gars, lâchez rien. On a besoin des paysans. Je sors les gants, les gars, ils commencent à cailler de ouf. Il y a une petite brume qui s'installe. Benjamin, qu'est-ce que t'as fait? Bon, apparemment, je le touche. Mais... apparemment. C'était pas moi sur lui. Benjamin, tu passes à l'interview après? Je sais pas, j'étais là à 6h en plus ce soir. Ah, tu m'envoies ça à 18h06. Il m'envoie, je suis dispo à 18h, à 18h06. Oui, mais gros, tu m'as dit si tu peux venir, viens à 18h. Je t'ai dit. À 18h, le mec, je lui ai dit ça lundi. Bah, il y en a qui ont des semaines qui bossent et tout. Hein. Ah ouais? Qui sont pas chez eux à regarder les poissons nager dans l'aquarium. J'ai plus d'aquarium. J'explique le programme de ce soir. Voilà, c'est entraînement les 12 plus forts et là-bas de la bouine. Là-bas de la bouine, il a dit. Tu vas aller où, tu crois? Bon, je vais là-bas, c'est sûr. Avec la baie ou là? Ah, ce week-end, la baie, mais là, moi je veux jouer là. Non. Ce week-end, t'es en baie? Ouais. Ah, ça serait. Coach. Arrête, frère! Coach! Là, c'est gênant. Ah, c'est il aimerait trop être en première, le gars Bajam, mais il a pas encore compris, je crois. Oh, c'est un nouveau qui te pique ta place. Il a 4 entraînements. Ouais, bon, on va les garder là. Allez, salut Bajam, retour lobby. Bien joué Enzo. Vas-y Edgar, allez, arrive lancé, ouais. Bien joué Edgar, bien défendu. Eh, on ne demande pas le tirer de dimanche. Oh, magnifique celle-là! Logé! Oui, magnifique, dommage! Ah, dommage! Eh, hey, Lenny, t'as bu quoi avant de venir, toi? Lenny, tu bois quelque chose que les autres n'ont pas bu, toi? Ouais, voilà. Allez, Edgar, vas-y, au-dessus! Oh! Oh! Oh là 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 là! Et puis on a en tiré de ce gars-là. Bien, Bouliv! Belle parade, bien joué! Allez, le retour du top buteur. Oh là là, bien joué! Il y a que Lenny qui marque ce soir. Quelle recrue hivernale, je dirais. Magnifique. Très bonne recrue. Affaire à suivre. On ferme le marché des transferts sur Lenny, ça y est, c'est fini, on boucle. Ah dommage Edgar, il manquait presque tout dans cette frappe.
Allez Mathis, je fonce dedans, allez, arrive lancé. Ouais, c'est bien, parfait. Oh là, et même Boulive, il n'a eu peur. Bien joué, c'est cadré. Bon, pour l'instant, le gardien de Manille désert, il est tranquille dimanche. Avec ça. Oh la vache! Eh, il met la plus dure. Bien joué, c'est but, bien joué! Arrête, Boulive, de t'énerver! Non, oh, bien joué! Ah ouais, il sait pas ce qu'il fait, mais il marque, c'est bien joué! C'est vrai. Et Théo aussi doit tirer avec mes bottes. Parce que Théo. Non, bah va déjà la chercher. Oh, bien joué, dommage. Ouais, Enzo la passe approximative. Allez pour toi. Ouais, dommage, Théo. Oh, bien suivi, bien joué. Ouais, c'est juste quoi. Qu'est-ce que t'as pensé ton exofrappe? Ça pue la merde. Moi j'adore, franchement. Moi je tire avec des bottes. Merci de me les avoir vendues. Bah, ouais. Regarde la tonne de merde que j'ai là-dessous. Bah ouais, moi aussi. Tiens. Là, qu'est-ce qu'il fait, Aurélien? Antoine Dupont, les gars. Par contre, t'es pas parti, tu joues à 2 heures, toi. Antoine Dupont. Non, 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 je joue les JO, moi je joue le rugby à 7. Ah ouais. Là, j'ai fait la pointe sur. Ouais, c'est de la merde, Aurel. Nini, félicitations, tu finis top buteur. Au-delà de top buteur, t'as le même le top but. Top but. Après Enzo. Enzo, ça fait quoi d'avoir mis 0 but dans la saison? J'ai mis un but. Un but? Ouais, je te jure. Ok, replay maintenant ton but. Vas-y, regarde le deuxième. Deuxième but là? Ok. Là. Ah, il m'a déconcentré. Ça, c'est parce que t'as reçu. C'est un gars de Lonny. Ouais, Boulive, tu fais pas d'effort quand c'est Lenny ou c'est Lenny qui te les met trop bien? C'est pas possible. Bon, c'est pas possible. Boulive sur Lenny. Il y a un petit truc qui s'installe. Bien joué, Colin. Bon, les gars, vont finir sur un match. Et nous, on se reprend direct après pour l'exo du crossbar pour gagner cette fameuse box. Bon, les gars, j'ai un petit cadeau aussi pour vous. Ok, regardez. Voilà, la petite veste de Bajam. Si on obtient 520 likes sur cette vidéo, Bajam vous offre sa veste. Voilà, une belle veste de la Juve. Franchement, impeccable. On en reparlera après avec, puisqu'il a bien voulu faire gagner la paire de crampons de Clément, qu'il a toujours pas fait gagner. D'ailleurs, il reste que 20 likes, les gars, sur la vidéo où Bajam doit faire gagner les crampons. Donc rendez-vous sur cette miniature et allez liker cette vidéo, histoire que Bajam il offre les crampons. Merci Bajam. Il est où Bajam? Il est déjà barré. Il est là-bas, il en a plein les pattes. Bon, nous on coupe là, les gars, on se reprend pour l'exo crossbar. Mathéo sur le banc. Ouais. D'ailleurs, Mathéo. Mais non, il y en a qu'un seul, pas deux. Mathéo, explique pourquoi on ne voit jamais dans les épisodes. Parce que je viens le mardi. Non, le dimanche. Ah, dimanche, bah parce que je suis nul et je suis en 18. Non, il est pas nul. Non, les gars, si vous voulez voir des vidéos sur nos 18, vous pouvez vous rendre sur TikTok. J'ai été les voir le week-end dernier. Et d'ailleurs, peut-être qu'on va réitérer ce week-end. Donc rendez-vous sur TikTok. D'ailleurs, on n'oublie pas l'objectif des 100K sur TikTok. Enfin bref, vous avez compris, allez vous abonner, quoi. Hey, ça mange pas de pain, hein. Petit abonnement, là. Bon, j'arrête de vous faire chier avec ça. Mais abonnez-vous, quand même. Bon, on se retrouve avec Edgar, encore sur le banc. Encore, ouais, je connais bien la banquette, hein. Ça fait longtemps, mais on pourrait changer le bois, les enculés. Ça fait chier ou pas l'entraînement d'être sur le banc aussi? Oh, on regarde les copains, c'est pas grave. T'es en train petit à petit de te faire pousser vers la sortie, toi. Coach, c'est pas cool, mon pote, il s'investit à fond depuis des années. C'est bientôt si je vais pas me faire virer du stade bientôt. Monte les tribunes avant de partir. Regardez nos tribunes qui commencent à être montées. Franchement, hey, on a un beau projet sur les tribunes là quand même. Regardez nos tribunes. On dirait un chapiteau de buvette de brocante. Regarde le chapiteau. Voilà, et le retour de Coco sur le banc. Ouais, ça faisait longtemps. L'épisode précédent. Thomas, vous venez avec moi. Martin, t'avances en 6 à la place d'Enzo et c'est Edgar qui prend ta place avec Lucas. Martin, Théo, il m'en faut un. Théo, fais la sentinelle, le mec qui redescend. Physiquement.
T'es content de passer avec moi? Ouais. Je suis avec mon papa là. Vous êtes prêts, messieurs? Avec mon papa décollé. Le but, moi, c'est quoi la question? Attends, c'est quoi la question? Ok, bah du coup, je suis numéro 6, 8, entre les deux au milieu, quoi. Je joue le plus souvent avec la B chez nous, au du Perche. Et les objectifs, moi, c'est prendre du plaisir, voilà, on est une famille, je viens pour m'amuser, pour faire rire tout le monde. C'est ça mon objectif, voilà. Après, jouer en A, en B, je m'en fous tant que je joue. Moi, le but, c'est de m'amuser, de faire rire tout le monde, et après, le reste, j'en sors. Bah, moi, c'est Clément. Attaquant milieu offensif, on va dire, ça dépend des fois. La plupart du temps, je joue en première. Depuis cette année, devenu capitaine, plutôt cool. Après, c'est un rôle plutôt sympa à prendre. Et moi, mon objectif, prendre du plaisir avec tout le monde, faire des passes avec les copains, et voilà. Ouais, j'aime bien. Je trouve ça bien, moi. Ça a apporté un truc au club, mon fils, donc c'est parfait. Exactement. T'as tout dit, Benjamin. Non, c'est cool. Et puis, on rigole bien. Tout le monde a pris plaisir, je pense. Prend plaisir à, justement, ces choses-là. Et puis, voilà, ouais, c'est cool. Même les gens qui étaient pas forcément à l'aise devant la caméra. Non, bon, tout le monde s'amuse, on s'en fout. La kiffance, quoi. Top 3, moi j'en ai 5 moi. Déjà tu mets Clément, logique, Clément Dame. La logique, je mettrais Bouli aussi, comme okay. Il me sauve. Et après il y en a... Ah bah c'est bon, ça fait 3. Non, comme Yo du bar aussi. Dans un bon jour, même comme Enzo, je dirais Flo, c'est pareil. Dans un bon jour, ça dépend des... Top 3, bref, c'est Bouli, Clément Dame. Ouais. Moi ça serait Dame, Yo et Bouli qui est pas mal. Bah il nous sauve en fait. Ouais, un vrai bon gardien. Sans enlever rien du tout à ce que fait Oren, mais costaud. L'enfoiré. Vous êtes mauvais. En fait, ouais, en timing, il est tout le temps là. Non, Il est souvent là aux buvettes, il fait les fins de buvettes. Après, est-ce qu'il boit beaucoup, oui. N'importe quoi. Et après, petit Ben aussi, il est bien. Petit Ben, il est chaud. Et c'est déjà bien, les deux. Et après, non, il n'y a que les deux, je pense. Moi, c'est le coach, mais il a dû se faire remonter les bretelles par sa femme en début de saison. Donc, du coup, on le voit un peu moins. Sinon, ouais, Bajar, le petit Ben plutôt, ouais, il est pas mal. Ouais, la famille, une famille. Ouais, union, même si c'était difficile au départ, union, ouais. Et eh ben moi, il n'y a pas de souci parce que je lui ai offert. Donc du coup, c'est à lui de décider en réalité si on l'a fait vraiment gagner. Mais depuis le temps... C'est les miennes, c'est mes chaussures du coup, qui les a offertes, mais... Après, il n'a pas envie de les donner, les mêmes. T'as vu la pince au final. Il n'a pas envie de les donner, c'est une vraie pince. Quel connard. Bah, je dis la même chose que lui, moi je suis là, lui il est là, voilà, on ne voit jamais. Il court pas, il est gros. Pourquoi le physique? Dans tous les duels, je le tape. Vas-y, fais top. Bah moi quoi? Une teinture à la barre. Ouais, je sais pas. Ah ouais, ça j'avais pas calculé ça. Si on monte, qu'est-ce que je fais? On rase la tête à Benjamin. Ouais, on rase la tête à Benjamin. Comme que. Ouais, voilà. Je me rase vraiment la tête et tu te rases la tête. À blanc. Oh non. Ouais, je me rase à blanc aussi. Je me la fais vraiment. Mais non, mais à blanc, ça dure longtemps, moi, après. Je fais quoi? En plus, c'est des cheveux. Mais ouais, ça fout de Benjamin, en plus, ça va monter, c'est pas rien. Vas-y, vous êtes sérieux quoi? La montée, je joue même pour moi. Vous avez un mot pour finir ou quoi? Benjamin, il a stressé. Non. Premier jalon, deuxième jalon, troisième jalon. Le premier qui met les trois barres remporte la boxe. Ouais, le même nombre de fois, les gars. Tu vas plus vite. Coco, le premier qui a
Bien joué Martin, tu passes au deuxième. Bien joué Zaza, il passe au deuxième. Bien joué Lenny au deuxième. Et Lenny il est on fire ce soir. Dommage Enzo. Eulog c'est qui tient. Bien joué petit Ben au deuxième. Oh là ça avance bien. Allez le deuxième tour les qualifiés. Vous pouvez commencer les qualifiés. Allez petit Ben. Allez Ben. Oh dommage, t'es pas loin petit Ben. Allez Martin. Regarde ça ma poule, c'est pour toi. Regarde les bottes de tout à l'heure. J'ai mis les crampons. Vas-y Martin, c'est pour toi celle-là. Elle est bonne. Bien joué Martin qui passe au troisième. Les gars, j'ai déjà un mec qui est là. Oh là là, Lenny, magnifique. C'est pour Martin. Martin, elle est belle. Oh là 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 là, passe pas loin. Eh petit Ben, peut-être pour cette victoire, petit Ben, un mot avant de tirer un mot. Bah je la loupe. Ok. Attention. Fini là-dessus, petit Ben. C'est marqué dans ton dos, petit Ben. Oh bah Jam qui arrive en finale aussi. Oh non. Trop trop fort. Allez, plus, et Bajam. Bajam, si tu gagnes, si tu gagnes, c'est légendaire. Plus, allez Bajam. Avec micro fond. Ah Bajam. Oh là 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 là. Eh ça fait 3 qui touchent la barre du dessous les gars. C'est pas loin d'être fini. Oui. Oh dommage, c'est court, c'est court pour Zaza encore. Elle est bonne. Oh dommage, c'est un peu court petit Ben. Allez, 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 allez. Oui. Oh là là, et Zaza, il te manque rien à chaque fois. Oh, elle est bonne Ben. Oh la vache. Ces choses qui se passent dans cette finale. Elle est bonne. Oh la vache. Allez, Bajam, c'est maintenant. Elle est bonne. Oh la vache, dans le poteau, Bajam. En plus, vous êtes en train de démotiver les autres, c'est peut-être maintenant. Ah, c'est pas ça. C'est poteau, hein. Ils vont pas te dire oui. Oh, oh magnifique. Elle est dedans. Oui. Ouais, ouais, allez, 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 Lenny, magnifique. Bon. Félicitations à Lenny, les gars. Lenny, mérité sur l'ensemble de l'entraînement, top buteur aux frappes. Et maintenant, top bar. Lenny, je te merci remets ton bien. Merci. Ouais, c'est bon, tu peux ouvrir. Découvre ton bien. Ah oh, putain. C'est un mec de Londres qui gagne. Magnifique, ah, notre cru hivernal beau qui remporte ce maillot. Qu'est-ce que t'en penses, ma poule? Il est impeccable. Il en a déjà un comme ça. C'est assez cliff. Merci à toi. Bayern, non, même pas. Et merci au bon maillot, évidemment, pour toujours soutenir les projets. Là, magnifique. Thomas, qu'est-ce que t'as pensé du t-shirt? Bon, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu? C'est le Bayern avec noir et rouge. Bon, ça va, c'est propre. Propre, propre. Propre. Merci et... au bon maillot. Bah oui, merci à eux. En vrai, c'est lourd ce qu'ils font pour nous. Hein. Franchement, c'est merci. Vrai. C'est vrai. Merci un bon maillot parce que ça récompense des petits pères comme ça. Ouais, oui. Thomas qui a déjà été vainqueur sur le tournoi penalty. Bah ouais, les gars, souvenez-vous. Bon, les gars, place à la douche et à la buvette pour les pronos. Premier match, Alex, tu le connais déjà. Mortagne contre Lotei. Pour moi, victoire de Mortagne à Mortagne. Ouais. Pas d'expression. Pas partout. Non, le nul. Bah, le nul nous ferait du bien. Mortagne 2-0. Pour Mortagne. Mortagne 4-0. Boulif, t'en penses quoi? Lotei. Oh, le match. Sacré match, là. Le Mel contre Boussé. Un match physique, je pense. Le Mel. Oh, je vois le Mel gagner, moi. C'est le Mel, donc c'est le Mel. Le Mel. Ça va, Boulif? 3-2, toi? 3. Ah ouais. Ah ouais. Un arbitrage. 6 cartons rouges. 15 jaunes. Les gars, Sam Football contre Sarceau. Bon match. Assam. Ah, je vois. Ah, je vois le nul. Sam, ils ont besoin de points, mais comme ça va être dur, je vois le nul. Ouais. Nul parce que Sam ont besoin de points, mais Sarceau, c'est solide. Voilà, le cul entre deux chaises. Les gars, l'étoile du Perche contre Manit Désert. Moi, je nous vois gagner genre 2-1. Quoique la dernière fois, j'avais dit ça, au final, on s'en est bien sorti. Le même score. Tu sais quoi, le même score que la semaine dernière? Ouais, 3-1, ça serait cool. 3-1, Boulive. 3-0, je mon clean sheet. Il en faut un. 3-2. Coach. 5-1. Oh, il a des attaquants dans l'effectif. Il va refaire la technique de Nenette qui passe d'essai à attaquant. Ouais, Nenette buteur avec Matisse. Ah, Matisse, ça serait bien, ouais. Il veut le pépon, son pote, lui. Non. Et couché, Olympique Alençon, les gars. Je vois Olympique Alençon. Match nul. Match nul, ouais, ça serait bien. Ça serait bien. Il doit avoir 2-3 suspendus, je crois.
Il connaît déjà tout. Appelle les autres clubs, toi, pour leur dire. Ah ouais, oh, c'est mal. Et puis, bah, Alençon contre eux, ils tombent, mais bon. 3-0. Évidemment. Évidemment. Benjamin fait la transition pour dimanche. Il y a dimanche. Pas dimanche. Un connard, tu, non, tu joues en B. Je suis pas là dimanche. Les gars, on se retrouve du coup à Tourouvre pour l'échauffement. Voilà, on va affronter Manille de Lézère, comme vous l'avez vu, une équipe classée 5e, si je me trompe pas. 5 victoires, 1 nul, 4 défaites. Au match aller, on avait gagné 4-1 chez eux. À nous de réitérer le score. Aujourd'hui, le terrain va pas être simple, comme tu peux voir. Voilà, malheureusement, nos U13 et U18, il me semble, non pas les U18, mais les U13 ont joué dessus hier, et donc ça peut être un peu compliqué aujourd'hui. Mais le terrain est le même pour les deux équipes, que le meilleur gagne. Ça va être dur dans les duels aujourd'hui, parce que c'est des mecs assez costauds, donc beaucoup de duels physiques. On espère les gagner, et on espère surtout gagner ce match. C'est parti pour l'échauffement. Tu es un vrai cassos. Je mets des bottes vendredi pour venir à l'entraînement, et là je repars sur mes baskets blanches. Ah oui. Je suis un cassos, moi. Je suis pas venu avec ma voiture, du coup j'ai pas mes bottes dans la caisse. Fais-moi penser, Thomas, la prochaine fois de prendre mes bottes quand tu me prends devant chez moi, s'il te plaît. T'as envie d'avoir un match? Ouais. Comment tu te sens? Déjà, toi qui nous parlais d'intégrer le groupe première, ouais, mine de rien, tu l'intègres un petit peu, puisque ça fait deux rencontres maintenant que t'es avec nous le dimanche. Ouais, c'est vrai. Non, c'est cool, ouais. Après, c'est mes objectifs. Y a rien de acquis pour l'instant. Faut continuer à travailler, tout le groupe ensemble. On a environ, je pense, une vingtaine de joueurs qui vont intégrer le groupe A. Donc, il faut continuer à travailler pour accéder le plus rapidement possible. En vrai. Voilà. Et cette rencontre, tu la sens comment face à Manille Désert? Très bonne équipe. Mmh. On a été chez eux, c'était compliqué. On a su marquer. Et si on fait pas pareil aujourd'hui, là, dans les 30 premières minutes, ça risque d'être compliqué. Surtout le terrain qui est difficile. Merci Enzo. Ah. Tu t'améliores, je trouve. Dites en commentaire si Enzo il s'améliore en termes d'éloquence. Moi je trouve que c'est pas mal. C'est vrai que c'est un exercice qui est pas simple d'être devant la caméra pour certains. Donc merci à ce genre d'énergumène de participer. Voilà, aujourd'hui Hugo est en tenue de civil. Malheureusement encore blessé de la semaine dernière. Il est déçu. Bah ouais, j'aurais bien voulu jouer. C'est dommage, tu vas être avec nous du coup. Bah ouais. Animer ça. De toute façon, t'es tout le temps avec nous. Bah, quasiment. Une grande partie. T'as juste raté 12 minutes sur le banc le week-end dernier. Place au match. Non. Non. Allez, les gars. Mais après, je pense en noir, c'est bon. Ouais, ouais, t'es en noir. C'est bon. Les persos sont trop chiches. Bien joué Damien! Bien joué dame! Attention Lucas! Ils ont une. Il est. C'est sa tradition, ça va m'aimer. Oh non. Oh celle-là doit claquer. Bien joué Bouli. On a dit duel de la tête, Coco, accompagnez-le. Eh ouais. Il faudra être attentif dans les premières minutes. Excuse-toi, excuse-toi, excuse-toi. Allez, allez, allez. En place. C'est bon, en place, allez. Allez, Lucas, allez. Les gars, ça démarre juste d'un contrôle loupé, tout ça. Hein. Mettez de la qualité dans vos prises de balle. Bien joué Damien, ça vient. On recule pas, on recule pas. Voilà, bien joué. Super Coco. C'est bien Coco.
si, ça pèle. Bien joué! Tu y vas, tu y vas, vas-y, vas-y, vas-y! Ah si, bien joué, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai! Deuxième coup de botte. On l'avait dit les gars, ça allait jouer physique aujourd'hui. À nous vraiment de rentrer dans le match correctement. Ah, faut y aller avec hein. Ouais, allez, allez les gars, sans déconner. Vas-y Coco. Vas-y Coco. Ok, c'est pas grave, replace-toi. On les laisse jouer, on leur offre ce but en début de match. Se remettre dedans dès maintenant. Ah ouais, c'est possible. Ah mais hey, on s'arrête pas oh. On fait quoi là? Ah, il en faut un milieu. Encore! Bien joué, yo! Ouais, yo! Allez, avance! C'est dur, c'est dur. Ouais, c'est bien, c'est allez, bien. Avancez les jeunes, allez, c'est bien, allez! Dans la merde! Mais accompagnez-les, oui, par contre! Bon, bien joué, ouais, Coco! Allez, bien joué Clem, c'est bien Clem. Allez, allez, les gars, allez. Allez les jaunes, allez, allez. Il est sur une élongation. Dommage, dommage, c'était le moment peut-être de nous relancer. C'est pas fini, j'ai l'impression qu'on se réveille un petit peu. C'est le moment. Bien Ninette. Ah là on tire hein, les kilus. Bien joué Damien. Ça vient. Elle est bonne. C'est bien remis, bien redressé. Elle est bonne, elle est bonne. Dommage. Encouragez-vous, faites voir un peu. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Si tu peux, il faut être partout. Avec lui. Ah ouais. Droite. Putain, ça me saoule ça. Voilà. Le ballon. Avec lui. Bien Bastien. Voilà. Les gars, il a souvent tendance à faire jouer. Vas-y, allez, vas-y. Dommage. Non, Lewis, vas-y, Lewis. On est pas prêt, Lucas. Bien joué, Lucas. Bien joué, Lucas. Encore. Fais avancer, fais avancer. On les monte avec, et tu es montrez-vous, montrez-vous. Je vais tomber derrière. Pas faute. Oh. Allez-y les gars. Vas-y. Pas faute, pas faute. Ah, très bien.
Ah, si elle est pas dedans, je sais pas où elle passe. Dommage, allez. Dommage. Allez, Nénette. Allez, Mathis, en place. Bien joué, Bouliv! Super Bouliv, belle arrêt! Hein. Attention, ça joue les risques! Allez, les gars, mouvement! Bien joué! Super ça! Bien joué, elle est bonne! En deuxième! Ah, dommage! Elle est très belle même! Allez, accompagne, Nénette! Bien joué, Mathis! Super, Mathis! On est mieux dans le jeu, on est pas loin de mettre le 2-1. Bien joué, Clem, juste avant super. La mi-temps. Ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait ce but avant la mi-temps. C'est ce qu'on avait dit dans le vestiaire. Il a déjà mal en plus. J'espère que c'est pas trop grave pour Coco, il avait déjà mal au genou. Puis c'est pas le style. Ça a crié. Ouais. C'est la mi-temps ici, 1-1, il va falloir faire beaucoup mieux en deuxième si on veut espérer gagner ce match. Théo et Thomas, allez où j'ai chauffé. C'est bon, il y a faute, on se replace. Il a vu l'arbitre. Allez. Elle est bonne. Elle lui met dans la course. Sans faute. Gêne-le. Elle est en doyette aussi. Ouais. On est en retard partout là. Allez. Encore. Allez, ouais, tu me dis toi, t'es en place. Allez. Mettez-vous en place là. C'est dur, Fab. C'est dur. Mets-en une. Allez. Oh la vache. On est loin. Oh. Bien joué, Bouli. Hey. Allez, Bouliv, allez! On défend encore 4-3, hein! Ça vient! Elle est bonne. Elle est à fond. Mac et Coco. Bien joué, les gars. Bien joué. Les gars, c'est des ballons importants. Bien, Thomas. Bien dressé. Je veux pas vous entendre. On nous dit ça fait 100 fois. Je veux pas vous entendre. Oui, mais... Plus on va parler, plus ça va être compliqué.
Hey, jaune, s'il vous plaît. Je pense quoi de ce match? Non. Non. Oh, mais là, c'est du fauchage de... Là, il fait les bleus, là. T'es seul, Kevin. Bien, elle est bonne ça. Dommage, bien joué Thomas. Qui en soutien s'il a peur? Oh! Ouais! Bien joué! Allez, centre la balle! Bien joué, Damien! Allez, oui, là-bas! Vas-y, Louis. Oui. Super ça. Magnifique, le 2-1. Regarde, Enzo, il rentre dans 10 minutes. Il mérite, Mathis. Super, mon Clem, c'est bon. C'est bien, t'as donné. Là, on a de la chance. On est chanceux. Carton rouge logique après plusieurs petites fautes pour le numéro 10. C'est un carton rouge maintenant qui peut-être peut, enfin qui va nous servir pour cette fin de match, on l'espère. Il faudrait tuer le match maintenant, mettre le troisième but et régler ça. Qui découpe le mec. Alors là, ma poule, t'as pas géré là. Au revoir, Raphaël. Gros découpage de Enzo en espérant que ce coup franc nous fasse pas du tort. Parce que prendre le 2-2 là, ça serait compliqué d'aller mettre le but de la victoire. Non mais sérieux, Max, qu'est-ce que tu vas... Et il prend un jaune. Qu'est-ce que tu vas découper le joueur ici? Allez.
c'est un patron. Mais bon. Hey Nénette, Mathis deuxième. Bien joué, il l'a vu. Oh non. Ouais Coco. C'est dommage. C'est dommage. On gâche cette action du 3-1, c'est dommage. Allez, sous tension cette fin de match. Je suis à 51. Pauvre Mathis. Pauvre Mathis, il s'y donne. Il fait le boulot aujourd'hui. Il est récompensé par son but. Mais il aurait pu doubler aujourd'hui et ça lui aurait fait grand bien. Le contrôle, il est propre, donc il se l'amène bien. Bien joué. Oh! Replacez! C'est les mains. Replacez! C'est fini! Ouais! Bien joué, les jeunes! La victoire. C'est ce qui prime. Voilà, exactement. La manière, on ne l'a pas. C'était mieux en deuxième mi-temps. C'était quand même mieux en deuxième mi-temps, mais on peut, mieux, ouais. On peut faire mieux. On peut faire mieux, largement. Mais on va retenir les 3 points. Aujourd'hui qui nous laisse premier encore du championnat. Et voilà les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'hab, on s'abonne, on met un petit commentaire bienveillant les gars. On n'oublie pas que c'est du district, c'est de la D2, c'est du football amateur. Le dimanche a été un peu compliqué vis-à-vis du terrain qui n'a pas rendu la tâche facile pour nos joueurs. Malgré tout, on a su remporter ce match. Alors la manière, comme j'ai dit, c'est à revoir. Hein. Il y a plusieurs petites choses à revoir, mais bon. Le principal, c'est les 3 points. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du championnat et peut-être la suite de cette série de victoires. J'en ai plein les pattes.